Le train est populaire ici, je comprends pas. Pourquoi il y a plus de monde pour prendre ce train ici? Oh, le client prend le train, bah tiens. Il a vraiment l'air d'apprécier mon parc. C'est quelqu'un que j'aime. Et vous savez ce que je peux faire aux gens que j'aime? Je vais vous montrer comme je suis un bon roi. Un petit coin ici. Il est déjà parti du train, le client. Attends, tu vas rester là, toi. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Bah je peux t'en trouver, non? Non, il allait sortir, oh. T'es fou, toi? T'es mon client, tu sors pas. Il y a des toilettes ici, si tu veux. Regardez, pour mon client, et d'autres personnes, évidemment, soigneusement sélectionnées, je fais un petit coin avec des glaces gratuites. Et des toilettes gratuites. Vous vous rendez compte, moi? Lui, il veut faire la promenade des bateaux, c'est marrant. C'est tellement le client que même les trucs pourris, il le fait. Un coin pour les gens spéciaux, où tout est gratuit. Et à la fin, il y a une attraction gratuite qu'ils ont le droit de faire. Donc tous les plus sages, ils ont le droit d'aller là. Par exemple, là, le dernier de cette file d'attente. C'est un loser, non? Bah, je le prends, il va là. Et le client, bah oui, c'est pour lui que j'ai construit ça quand même. Vas-y, mec. Et voilà, il veut déjà faire... Mais est-ce qu'il a acheté quelque chose au moins? Il est déjà sorti. J'ai envie de le remettre quand même, parce qu'il a pas assez profité, j'ai l'impression. Je n'ai pas faim. Et du coup, t'as quoi, toi? T'as soif. Boisson gratuite, là, hein? Eh, hey, arrête Non, va prendre les boissons gratuites. Mais il est taré, ma parole, hein. Mais t'es en train de mourir de soif? J'ai envie de le buter, vraiment. Ah, en fait, c'est un... Mais oui, mais c'est le client, en fait. Il achètera pas, c'est gratuit. Bon, je vais y mettre un pote. Parce que sinon, il pourra pas entrer dans l'attraction. Bon, c'est pas tout ça, mais ça me rapporte pas beaucoup d'argent, cette histoire, donc... Hein, on va faire une attraction. Genre ça, je vais le caser quelque part, ça. Hein, ici, c'est parfait. Ah, ça marche bien, les rapides. Eh oui. Hop là, 2€. Il me disait aussi que l'entrée du parc est pas assez chère, alors on la met à 35, là... Ah, par contre, y a plus personne qui fait ça. L'attraction sympatoche, enfin. C'est pas assez palpitant, je suppose. Ah, voilà, le client est enfin entré. Ah, il est un peu moins content. En même temps, il meurt de soif, il veut pas boire. Mais maintenant, il fait les rapides. J'aimerais bien pouvoir le déposer à l'entrée de la queue, mais ça marche pas comme ça. Bon, bah, il me reste encore beaucoup de place dans mon parc, hein. Je peux encore mettre peut-être 3 attractions, une là, une là, une là, sans avoir à taper dans ces coins-là. Et ça, comment ça peut casser? C'est juste des signes où il faut pédaler, qu'est-ce qui est cassé? Par contre, opening, il m'a rapporté combien, opening, à votre avis? 4400 par heure, waouh! C'est énorme, et ça? Hein? Moins 400 par heure, voilà. Exactement, il me fait perdre 400 balles par heure. Parce que littéralement personne veut le faire. J'ai peut-être le modifié en fait, sympatoche. Tout ça, ça c'est bon, ça, voilà, ça tourne là. Tout ce qui est après, je supprime, ok? Non, ça descend trop là, oh! Oh, oh, oh! Hop, ralentissement, du calme, on arrête de s'amuser. En fait, maintenant, j'ai peur de faire des trucs trop... Hein, vous m'avez compris. Voilà. Et maintenant, alors, hein? Ah, les visiteurs vont se battre. Non? Quoi? I'm not paying that much. Comment ça, c'est qu'1€30, oh? C'est même pas sûr que ça fonctionne. Ouais. Là, ça monte. Ça descend. Ça monte. C'est tracté, pas de soucis, bien designé. Hop, ça redescend. Un des ralentisseurs, c'est vrai. Encore des ralentisseurs. Faut pas que les gens s'amusent trop non plus. Je suis tellement rabat-joie. Quoi? C'est tout? On va modifier ça, c'est bon. Attendez, je peux changer... Oh, je peux changer la vitesse des ralentisseurs? Oh bah j'augmente. Là du coup, je les ai fait aller à 100 km/h. Ça veut dire que c'est des ralentisseurs qui vont les faire accélérer? Je savais pas, je viens de découvrir ça. Ça a rien fait. Du coup, ça a rien changé à l'intensité que j'ai supprimé les ralentisseurs. Plus personne veut faire le ça. Je vais le refaire, hein. Je vais le refaire, j'étais pas satisfait de toute façon. C'était de la piste de toute façon, j'ai pas du tout réfléchi à ce que je faisais. Voilà. Entrée. Là. Bon, tout ça, je peux supprimer. Ça me fait perdre de l'argent, c'est bien joli, mais... Bon, après, je peux le remanier, regardez. Il suffit de faire ça. Hop, là, voilà. Et puis, ça devient un petit coin... Un petit coin bouffe en fait, voilà, comme j'avais l'habitude de les faire. Par contre, cette fois, on peut payer les glaces. Les toilettes restent gratuites parce que je suis un bon gars. Le client, il refait le train. Il est complètement possédé, ce type. Ah oui, ça! Qui se souvient de Plouf? Je vais pouvoir en refaire un, c'est cool. Ça, ça plaît, ça. Je peux le mettre là, rassurez-moi. Bien sûr. On occupe tout l'espace possible. Regardez-moi ça, comme je suis futé. Je suis même mili-futé. Bien joué à ceux qui comprendront cette blague, c'était honteux. Ouf! Merde! D'accord, sympatoche. Il y a eu une explosion sur sympatoche. 20 personnes sont mortes dans l'accident de sympatoche. D'accord. Toutes les musiques sont coupées. Bon, bah, vous avez pu voir un accident, écoutez. Je sais pas ce qui s'est passé. Un mécanicien qui est en train de réparer. Ah, c'est les ralentisseurs qui ont fait l'accident? J'arrive pas à le croire. C'est pour leur sécurité que j'ai mis les ralentisseurs, enfin. Il y a eu un accident, il y a 20 personnes qui sont mortes. Hein? T'as dit quoi là?
Oui, on mange dans 40 minutes. Il y a 20 personnes qui sont mortes et toi, tu t'en fous, c'est ça? Est-ce que c'est grave? Elles sont juste mortes, hein, c'est pas si grave que ça. Du coup, je vais renommer l'attraction en Sympatoche 2, et comme ça, ils croiront que c'est une autre attraction alors que c'est quand même celle qui les a tous tués. Parce que normalement, une fois qu'une attraction a tué des gens, les gens ils veulent plus y aller, bizarrement. Bon, avant de finir mon... Qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Est-ce que c'est pas l'empêcherait pas de rentrer? Ah oui, voilà. Je disais qu'avant de finir mon attraction, j'allais faire un mémorial pour les victimes. Jumping Fountain. Oh, j'ai des super fontaines, trop bien. J'étais en train de faire mon... Enfin, de penser à mon mémorial, là. Ça, c'est trop trop joli, regardez. Vous allez être conquis, regardez. C'est pas joli tout plein, ça? Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Déjà, je vais rajouter des bancs parce que j'ai dû en enlever. Non, je dois faire un mémorial pour les victimes. Je vais mettre un cactus pour chaque victime. 17, 18, 19, 20. Et puis en arbre. Ici, voilà, parce que c'est joli, les arbres. Mais pourquoi il marche pas, le train? Pourquoi personne ne rentre? Attendez. Il y a un problème avec Sympatoche 2, la deuxième version de Sympatoche. L'attraction, donc, qui n'a pas encore explosé. Oh, j'ai réussi à le faire fonctionner. Je sais pas comment. Oh, 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 non! Bordel de merde! Pourquoi tu me fais ça, Sympatoche? Non, mais il est en train de se cracher en boucle. Ok, on va recommencer. C'est pas grave, vous savez quoi? C'est pas grave. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Alors, donc là, on teste. Là, normalement, ça refonctionne. Non, parce que j'avais diminué le nombre de wagons. Du coup, c'était un peu moins lourd. Et je sais pas. Ah oui, voilà. Oui, je comprends mieux, du coup. Ouais. D'accord. Là, c'est bon, fini les accidents. Non, c'était le dernier accident. On va l'appeler Sympatoche 3, du coup, pour pas que les gens soient hein, troublés. Je ne vais pas sur Sympatoche 3, ça n'est pas... Ah ouais? C'est pas sécurisé? Changer le nom n'était donc pas suffisant. New Special Track for Wooden Roller Coaster Water Splash. Oh, stylé, c'est pour celui-là, du coup. Sympatoche 3 est cassé. Non, mais c'est bon, Sympatoche 3, ça va? Ça va aller, quand même. Attendez, je peux changer des trucs, là, du coup. Voilà, ça, j'ai réussi. Hop. Hop, Sympatoche, on s'occupe de toi juste après, t'inquiète. Je vais pas te laisser comme ça. Décidément, Sympatoche est maudit. Water Splash, voilà, c'est ça. Ah oui, stylé. Ah oui, j'aime. Ah non, ça descend un peu en fait. D'accord. Ça, c'est next level, mais. Je sais pas si ça va marcher d'ailleurs. Tellement c'est next level. Oh bah ça marche en fait. Avec la photo. Voilà, parfait. Hop, on peut l'ouvrir. Sympatoche 4. Déjà la quatrième Sympatoche, hein. Ah, et puis ça, j'ai oublié de l'ouvrir aussi. Alors, les gens n'hésitent plus à y aller, c'est bon? Not going on Sympatoche, it isn't safe. D'accord, ils sont toujours convaincus que des gens sont morts dessus. C'est peut-être à cause de mes 20 cactus qui rappellent à chacun la tragédie. Bah, je suis obligé, hein. Non, on est obligé dans le jeu de mettre des cactus quand les gens meurent. C'est dans les règles du jeu, je vous jure. Ah, nice, un award. Le parc le mieux rangé. Eh ben alors, je suis plus le parc le plus sûr. Comment ça se fait? C'est un bug? Allez, on va faire de la pub pour Sympatoche. Sympatoche 4. Le forceur. Le mec qui veut pas supprimer Sympatoche. Allez, des entrées gratuites pour Sympatoche. Si ça, c'est pas Sympatoche, du coup. Peut-être qu'avec le temps, ils vont regagner confiance en Sympatoche 4. Je vois juste le supprimer. Hein. C'est ça, normalement, ce qu'on fait quand une attraction tue des gens. Et le client, ça fait 3 fois qu'il fait le toboggan. Il adore, oh putain. Ça, le parc marche bien. Les morts ont pas trop entaché la réputation. Il refait les bateaux. Complètement taré, le client. Je vais refaire une montagne russe, du coup. Non, c'est pas un bon endroit pour une montagne russe. À moins que je la fasse là... Ok, vous allez me dire que je suis fou dans ma tête. Mais regardez bien. Et là, ça va passer dans la boucle. Ok, on rêve. Attends, c'est peut-être possible, hein. Oh, c'est possible. Non. Et ils vont pas se casser la gueule dessus, non. Je sais pas si c'est possible, hein. On va dire que non. J'ai jamais vu ça. Et puis, si je le vois aujourd'hui, eh ben, je serais content parce que je l'aurais vu. Mais elle a l'air craignose, cette montagne russe. On peut même pas descendre et tourner en même temps, comme sur toutes les autres montagnes russes. Ah oui, c'est daubé, hein. Bon, pas grave. C'est un petit truc, hein. Et puis ça passe au milieu de la boucle, donc c'est stylé. Regardez, je peux mettre l'entrée là, et la sortie là. Oh, c'est bien ça, c'est une bonne idée aussi. Je vais monter un peu la file pour arriver vers l'entrée du parc. Et comme ça, j'ai une autre attraction qui va à l'entrée du parc. Oh, c'est bien ça. Je suis obligé de mettre les... Oh oui, des motos, c'est mieux ça. Pas de problème. Ça peut pas être extrême, ce truc, en fait. Pourquoi ils appellent ça des montagnes russes? C'est de la merde. Voyons les stats, je sens que ça va être médium. Non, c'est pas mal en vrai. Ça, c'est le genre d'attraction qui va avoir du succès. Ah oui, médium, c'est bon. J'aime bien quand il y a un con qui ralentit toute la queue. Là. C'est marrant, regardez, il s'arrête pour manger. Trop drôle. Le client est enfin parti du train.
Eh ben, c'est chaud le train. Hein. Et il refait le train, mais il est fou. Le train était génial. Il me fait un peu peur, hein, le client. Enfin, toutes les attractions sont complètes. Pas la grande roue? Attendez, c'est quoi là? Non, je m'occupe pas de ces sous-attractions que je n'ai même pas designées. Alors, le client sort du train. Il va faire quoi maintenant? D'accord, il a fait un tour complet en fait. Très sérieusement atteint, mon client. Il y a encore des montagnes russes que j'ai pas utilisées comme ça. Est-ce que ça peut passer là? Ah oui, là on est content là. Oui. Là, hop, hop, hop là. Alors comment je vais? Oh, ça m'a pas l'air si compliqué en fait. Je fais ça, je peux le faire passer en dessous. Ouais, ouais, tout bêtement. Et franchement, c'est qu'à moitié moche. Ah, je peux utiliser mon nouveau design, log cart, spinning cars. Je crois que j'ai encore fait un truc de tapette, mais j'ai trop peur, je dois me censurer. Zou. Attendez, c'est déjà l'année 3? J'ai déjà bientôt fini le scénario, c'est dingue. Ah! Bah voilà, typiquement, il allait avoir un accident. Au moins 5, allez, 5 d'intensité. Ça me ferait tellement plaisir. 6,91. Oh non, c'est palpitant, trop bien. Désolé d'avoir dit, oh non, vous avez dû croire que c'était une mauvaise nouvelle, mais non, je suis très content. J'ai 1300 visiteurs. Mon parc, 884. Ouais, je peux me lâcher, c'est bientôt la fin, hein, c'est ça? C'est en octobre. Et ça va vraiment être ouf. Je pense. Ah non, 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 c'est pas, ça peut pas être ouf. Impossible que ça soit ouf, malheureusement. Ça a l'air tellement pourri. Et moche. Me revoilà, on est un jour plus tard, et je suis prêt à terminer ma campagne. C'est chaud de tout faire en une journée. Là, ça commence à faire long, et je crois que j'avais pas vu le fonctionnement de cette attraction. Attendez, on teste. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe là? Contrôle failure. Oh, j'ai cru que ça allait exploser. Oh non, c'est bon, là, il y a eu assez de morts dans mon parc. Alors, je vois. Ça a l'air rigolo, hein. Ouh. Oui. Enfin, ouais. Heureusement qu'ils sont suspendus comme ça, sinon ça ferait pas peur. Et quel intérêt que c'est qu'ils y soient par trois? Je pige pas trop. Là. Le client, mais il va faire combien de fois le train, lui? Oh, le client, là. Bien sûr. Par contre, là, ça gerbe de partout. Et il y a un banc cassé ici. Il y a des poubelles. J'ai l'impression que c'est un peu le bordel. Mon balayeur, il est où? Bon, j'en mets un. Regardez, ça gerbe partout, c'était que. Et lui, il est en train de tondre la pelouse. T'as de la chance que ce soit joli, hein. Heureusement pour toi, elle est jolie, ta pelouse, mais... Oh, attention. Alors, le client a quitté le train. Est-ce qu'il va remonter dans le train? Il est accro au train, je vous jure. Il a fait 3 fois le tour du parc. Même le train est hyper populaire, c'est complètement fou. Et ça, le truc que je viens de designer, pareil. Ça, pareil. Bon, je pense que je peux relâcher un peu la pression, hein. Ou refaire une dernière attraction pour la route. Genre les montagnes russes suspendues, c'est bien ça. On va marquer le coup en faisant un truc un peu exceptionnel. Et puis à la fin, ça devient décevant. Comme ça, ouais, parfait. À l'image de la vie. Oh là là, ils se plaignent que le parc est dégoûtant. J'ai remarqué qu'il était dégoûtant. Ah oui, j'ai oublié ce petit trick pour pas avoir à tondre la pelouse. Suffit de faire ça, hop, c'est gratuit. Et c'est comme si la pelouse était bah, pas tondue, mais pas mauvaise herbe non plus. On va le mettre aux couleurs du parc quand même. Et à 1,20€ quand même. J'ai dit 1,20€, je voulais dire 1,40€, pardon. Ah oui, ça va tout doucement. Quand ça tombe. Oh, ça a l'air vachement bien par contre. En vrai. Oh. Je suis impressionné, ça a l'air vachement chouette. Oh, mais il y a tout qui se casse, ça fait tout le temps ça. Dans les prochaines, faudra que je fasse plus de... Hein? On est d'accord. Ouais, je pense que vous disiez pareil. Regardez, même le petit coin bouffe a son succès. Tout a son succès. Toutes les files d'attente sont pleines. J'ai même réussi à faire fonctionner le labyrinthe. Que personne ne voulait faire. Il suffisait de le mettre gratuit. C'est aussi simple que ça. C'est marrant comme quand vous faites un truc gratuit, il y a plus de monde qui le fait. Oula, 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 la sortie des montagnes. Oh, c'est dégueulasse. Oh, oh putain. Oula, tu vas avoir du boulot, toi. T'as vu comme ça gerber partout. En même temps, il y a plein de montagnes russes ici, donc. Il y a le petit train. J'ai rien à rajouter, je pense. J'ai remboursé mes dettes un peu. Un peu, pas trop. Oh mais non. Il fallait pas un award pour le parc avec les meilleures montagnes russes. Oh, mais vous me gâtez. Si ça, c'est pas l'honneur suprême.
Merde. Merde, le jeu a planté. Enfin, j'avais... Non, j'avais enregistré un moment, mais... J'avais enregistré il y a pas si longtemps, ouais. Mais... relou, quand. Ah oui, c'était quand le manège était buggé. Bon, bah écoutez, je... Hein, je vous rappelle quand j'ai terminé. Tenez, regardez, j'ai découvert d'où venait le bug. En fait, ils pensent qu'il y a toujours mon premier labyrinthe. Vous voyez, labyrinthe 1, alors que là, c'est le 2. Et là, si j'appuie sur ouvrir, eh ben, ça plante. On va voir ce que ça fait si je le démolis. D'accord, ça va pas planter. Bah voilà, écoutez, je crois que c'est bientôt fini, là. Alors, au lieu de faire des montagnes, j'ai fait un monorail ici et des parapentes, là, pour le ski. Et voilà, c'est gagné. Bon, ça m'a un peu saoulé, un peu saoulé d'avoir fait planter le jeu. Mais la troisième campagne est terminée, voilà. Ça, c'est fait. Donc, ces trois-là sont terminés. Bon, j'espère que ça vous a plu malgré tout. Et du coup, je vous dis à la prochaine, hein. Pour des vidéos League of Legends, clin d'œil. Et de temps en temps, du Roller Coaster Tycoon, vous en faites pas. Je continue, toujours.